Bonsoir, je vais vous demander de bien vouloir gagner vos places pour qu'on puisse commencer à l'heure, comme on a déjà décalé à 17h30, c'est une première donc ce soir notre conseil. Bien, je vais attendre que tout le monde gagne ses places parce que on... Bien, bah écoutez, merci à toutes et à tous. On va en premier faire quand même l'appel pour vérifier qu'on a bien le quorum. Et puis après, on va vous présenter plein de belles personnes qui s'approchent. On vous expliquera pourquoi. Je me tourne vers Sébastien. Ou c'est Florent. Ah, c'est Florent, pardon, excuse-moi. Donc Florent Champion, si tu veux bien faire l'appel pour vérifier qu'on ait le quorum, merci. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Juet, donc présent. Monsieur Césari. Présent. Monsieur Spinelli. Présent. Monsieur Lorenzi. Présent. Monsieur Raphaël. Présent. Monsieur Vassallo. Présent. Monsieur Ollaran. Présent. Monsieur Couffet. Présent. Monsieur Philippi. Présent. Madame Arcento Curti, pardon. Présent. Monsieur Alberti. Présent. Madame Bresque. Présent. Monsieur Chantreau. Présent. Monsieur Oudo. Monsieur Bonvalet. Monsieur Bonvalet. Absent. Absent. Il va venir. Monsieur Alarcon. Madame Albertini a donné pouvoir à Monsieur Raphaël. Monsieur Alavena est absent. Madame Almonte a donné pouvoir à Monsieur Alarcon. Monsieur Amoretti a donné pouvoir à Madame Giardina. Madame Batonnier. Madame Bernard. Madame Caserio. Monsieur Comtesse a donné pouvoir à Monsieur De Dieu. Monsieur Curté. Non. Monsieur De Dieu. Présent. Monsieur Ducruet a donné pouvoir à Monsieur Spinelli. Madame Ferrero. Présent. Madame Genovese a donné pouvoir à Monsieur Curté. Madame Joanna Genovese a donné pouvoir à Monsieur Juel. Madame Giardina. Présent. Monsieur Glacer a donné pouvoir à Madame Bernard, pardon. Madame Jacot, Madame Lisbona, Madame Lorenzi, présent. Monsieur Malvaux, absent. Monsieur Manfredi, présent. Monsieur Messina a donné pouvoir à Madame Royot, Monsieur Montero, présent. Monsieur Novelli, présent. Madame Père, présent. Madame Paternotte a donné pouvoir à Madame Lisbona, Monsieur Poulain, présent. Madame Robert, absente. Madame Royot, Monsieur Spinelli, Nicolas. Présent. Monsieur Tudès. J'en ai fini. Je vous remercie. Bien, merci Florent. Donc, nous avons le quorum. Donc, ce soir, avant d'engager les différents points de notre conseil communautaire, je voudrais profiter pour vous dire que depuis 7 mois, de nombreuses personnes sont rentrées pour travailler avec nous à la CARF, dans notre communauté. Et puis, on s'est aperçu que le temps passait, on s'est croisés, s'est décroisés, comme dirait la chanson, dans les couloirs, sans vraiment se connaître. On en avait parlé en commission et on pense que ce soir, ce serait à la fois pour eux d'abord et pour nous, très bien de pouvoir vous présenter ces personnes qui, depuis des mois, travaillent pour nous et s'impliquent dans notre territoire. Donc, il n'y a pas d'ordre spécialement, si ce n'est, je crois, un ordre... Non, il n'y a pas d'ordre d'arrivée. Donc, je vais commencer par Madame Rebaud Agnès. Si vous voulez bien s'avancer, si elle est là. Elle est excusée. Elle n'est pas là. Pardon. Ah, excusée. Alors, Jonathan Blanco. Excusée. Non. Justine Audeau. Elle est là. Venez, Justine.
Donc, Justine Audot, elle est conseillère en collecte sélective et elle travaille à l'élimination et la valorisation des déchets. Voilà. Ben, vous connaissez maintenant Justine Audot. David Fleuret. Excusez, non ? Lisa, David ? Non. Jessica Gaudry. Bonjour, Jessica. Donc, Jessica Gaudry travaille également à l'élimination et la valorisation des déchets. Elle est conseillère en collecte collective et nous a rejoint en février 2023, le 1er février 2023. Sophie Albin. Elle est là. Donc, certains la connaissent. Sophie Albin, elle est chargée de mission concernant l'habitat. Elle a rejoint la CARF le 1er janvier 2023. Bravo, Sophie. Frédéric Chapier. Il est là, Frédéric Chapier. Donc, il est chef de projet au développement du tourisme durable montagne, le 13 juin 2022. Monica Colucci-Carozzo, elle nous a rejoint en mars 2022. Elle est juriste chargée des relations avec l'Italie et elle prépare le GECT. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Adam Bouzio, il n'est pas là. Thomas Richard, il n'est pas là. Léa Sekou. Oui, voilà, développement économique, chef de projet, aménagement du territoire, nous a rejoint le 1er août 2022. Vous pouvez l'applaudir. Alors, Zineb Mekarsi, développement économique également, nous a rejoint en septembre 2022. Elle est manager de commerce au développement économique. On peut l'applaudir. Anne Lochin. Développement économique, chef de projet, aménagement, territoire, petite ville de demain, le 16 août 2022. On peut l'applaudir. André Pedroso, il est là, donc informatique mutualisée, donc 1er décembre 2022, développeur informatique. On va rester dans l'informatique, Grégory Garnotel, il est là. Non, il est excusé. Nicolas Andricot. Ah, voilà, son fan club. Donc, il est en charge de rechercher le maximum de subventions dans tous les domaines pour la CARF. Et croyez-moi, c'est un dur travail bien, bien important. Il nous doit rejoindre le 1er novembre 2022. Pour l'applaudir, Nicolas. Tiffany Pala, technicienne de surface, et elle travaille à l'intendance mutualisée de la CARF et nous en rejoint en octobre 2022. Romain Collin, il est là, informatique, technicien système réseau, 9 janvier 2023. On peut l'applaudir, oui. Et on va terminer par Jean-Pierre Malarot, s'il est là, affaires financières, adjoint au responsable financier, 1er février 2023. Alors, merci d'être là, merci de votre engagement pour la CARF. Et puis, on a donc, avec les maires et le bureau, décidé maintenant, d'avoir, peut-être pas une fois par semaine, ça va être compliqué, mais au moins une fois ou deux fois par mois, un petit reporting sur les événements importants qui se passent à la CARF. Et puis, ça permettra de pouvoir également mettre en place un peu, la mise en avant de personnes qui rentrent avec les photos, qu'on ne se croise plus dans les couloirs de la CARF en disant « Ah, mais moi, je suis là, je travaille, où est mon bureau ? Je ne sais pas. Bonjour, madame, qu'est-ce que vous faites ?» Donc, on va essayer d'humaniser un peu tout ça. Donc, merci d'avoir été présent ce soir et à bientôt. Bien, donc, on va prendre l'ordre du jour. Mais avant de prendre l'ordre du jour, on va d'abord approuver le procès-verbal, si vous en êtes d'accord, du 15 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci de votre unanimité. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Patrick Césari pour une communication qu'il souhaite faire. Mon cher Patrick.
Les premiers mots, je vous souhaite à tous le bonsoir et un bon conseil communautaire. Oui, alors merci, Monsieur le Président. Un point d'information qui est le suivant. Lors d'une dernière commission permanente au département des Alpes-Maritimes où je siégeais, j'ai proposé au président Charles-Ange Ginesy de nous offrir une information sur les interventions du département au lendemain de la tempête Alex. Cette proposition a été bien accueillie, avec la contrepartie, bien évidemment, d'en parler ce soir en conseil communautaire pour avoir, monsieur le président, l'avis des conseillers communautaires, l'avis des vice-présidents. Si cela est possible, il nous suffira d'organiser ce rendez-vous et on laissera le président du département fixer les acteurs qui viendront s'exprimer ici et qui viendront exprimer les informations que l'on peut attendre au lendemain de cette tempête, Alex. Et l'on sait que le département est encore, bien évidemment, sur le terrain et gère encore des situations délicates et des investissements importants. J'ai profité de cette information que je vous ai donnée il y a quelques instants pour vous proposer la chose suivante, c'est que moi, il m'apparaît utile, nécessaire, qu'au niveau de la CARF, puisque la CARF s'est largement investie, à la fois parce qu'elle en avait la compétence, à la fois parce qu'elle voulait exprimer sa solidarité envers toutes celles et tous ceux qui sortaient de meurtris et blessés de cette tempête Alex, j'aimerais, Monsieur le Président, que puisque le préfet Pelletier, je le sais, rend des visites régulières, que l'on ait le même point d'information à la fois concernant les investissements de la CARF, dont on doit être fier, mais aussi de voir un petit peu cette situation telle qu'elle se présente aujourd'hui avec les engagements qui avaient été pris à l'époque et de savoir là où nous en sommes, tout simplement, parce que cette solidarité qui s'est exprimée, c'est avec des finances publiques, celles de la CARF, où les 15 communes participent bien entendu au budget de la CARF, donc il m'apparaît utile que tout le monde, à un moment donné, s'il le souhaite en tout cas, puisse avoir une information précise sur tout cela. Voilà, Monsieur le Président, le point de communication, si vous en êtes d'accord. Moi, sur le premier point avec le président Charles-Ange Ginesy, je ferai remonter l'information et de là, l'organisation d'un tel rendez-vous pourra se mettre en œuvre, soit avant l'été, soit juste après. C'est vous qui verrez le moment opportun. Merci. Merci, Patrick. Bien évidemment, je ne peux que répondre favorablement, et c'est avec grand plaisir. Et si on peut le faire avant l'été, ce sera très bien. Bien. Ben, écoutez, on va passer au premier point de l'ordre du jour. Donc, il s'agit d'une motion, on l'avait évoquée, concernant la demande de rétablissement de la desserte de la gare SNCF de Montonville par le TGV. Bon, je ne vais pas vous relire tout le texte de la motion. Vous savez que depuis maintenant un an et demi, même presque 2 ans, le TGV ne part plus de Menton, mais part directement de Nice, ce qui pose problème à un certain nombre de personnes. Au demeurant, je pense que avec le développement qu'on veut donner, à tout notre territoire de la Riviera, il semble un peu anormal que Menton ne puisse pas à nouveau être desservi. Donc cette motion, on a d'ailleurs, pour la compléter, écrit en commun, co-écrit avec Patrick Césari, une lettre au président de la SNCF pour appuyer cette motion que je vais vous demander, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir voter. Donc je ne vous relis pas le texte de la motion. Vous l'avez devant vous, je vais bien le relire, mais je ne pense pas que ce soit utile. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des questions avant qu'on procède au vote de cette motion concernant la motion? Il n'y en a pas. Bien, donc, qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Merci de votre unanimité. J'espère que nous serons entendus et que le TGV pourra repartir depuis Menton. Alors, le point numéro 2, c'est Jean-Mario Lorenzi. Oui, Monsieur le Président, donc le point numéro 2 a pour objet la modification de la composition de la commission développement durable et tourisme en ce qui concerne la commune de Sospel.
Donc il s'agit d'approuver la modification des membres de la commune de Sospel dans la commission développement durable et tourisme comme suit. Martine Ferrero en remplacement de Livia Véré et Richard Colson en remplacement de Eliane Albin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Abstention ? Je vous remercie. Merci Jean-Mario. Donc maintenant, le rapport numéro 3, qui est le rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023, c'est M. Daniel Alberti qui va vous le présenter. Merci Président. Bonsoir à tous. Donc je vais vous éviter la lecture des 54 pages du rapport et je vais faire un petit résumé quand même, parce que c'est important quand même, un débat d'orientation budgétaire. Donc nous allons parler dans un premier temps du budget principal. Sur le budget principal, donc, nous sommes donc sur le budget de l'année dernière, 2022, nous avons eu des dépenses à hauteur de 64 700 000 et des recettes à hauteur de 70 millions, donc dégageant un solde en fonctionnement de 5 300 000. En investissement, c'est un peu l'inverse, on va dire, 9 300 000 de dépenses, 12 150 000 de recettes, donc un résultat de clôture, puisqu'on avait aussi un report de l'exercice N-1 de 6 700 000 en dépenses, donc un résultat négatif de 3 900 000, avec des restes à reporter qui font varier de quelques milliers d'euros. Donc on avait un besoin de financement de 3 900 000 qu'on va donc couvrir avec le fonctionnement, puisque je vous ai dit que nous avons 5 300 000. Si nous parlons toujours sur le budget principal de l'évolution des niveaux d'épargne, donc actuellement en 2022, nous avons une épargne brute qui est autour de 9 millions d'euros environ, 9 millions. Elle était de 5 millions en 2021. En capacité de désendettement, donc je vous rappelle que le seuil d'alerte, c'est 12 ans. Nous sommes actuellement à 2 années 58, donc nous sommes largement en dessous. En perspective 2023, donc on a en fonctionnement environ 70 600 000 de dépenses et 72 400 000 de recettes. Ce qui, en investissement, ce coup-ci, en dépenses, 38 millions et en recettes, 29 millions. Vous avez compris qu'il y a un petit problème, donc il va falloir prendre des décisions pour décaler certaines dépenses en investissement, hein, pour prendre d'abord les plus urgentes et puis les décaler dans le temps, puisque là, on a 9 millions d'écart sur l'investissement. C'est un travail que sont en train de faire tous les services. Ça, c'était le budget principal. Si nous passons maintenant sur le budget transport. En budget transport, nous avons donc en exploitation des recettes qui s'élèvent à 10 400 000, des recettes à 11 100 000. En corrigeant du report de l'exercice N-1, ça fait un résultat de 600 000 environ. En investissement, des dépenses à 128 000 euros et des recettes à 136 000 euros. Donc, un besoin en financement qui est positif de 800 000 euros. Donc, aucun problème au niveau, des transports annexes, du budget annexe des transports. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc, il n'y a pas de problème. Nous allons maintenant attaquer les budgets annexes eau et assainissement. Je vous rappelle que ces budgets pour 2022 étaient disjoints entre les communes qui étaient en délégation de services publics et les communes qui étaient en régie, essentiellement les communes du moyen et du haut pays. Et puis après, on fera un rapprochement pour voir quel est l'effet, puisque nous avons eu l'autorisation maintenant de fusionner ces budgets entre régie et DSP, que ce soit sur l'assainissement ou sur l'eau. Donc, si on parle du budget annexe de l'eau en DSP. En DSP, donc, nous avons des dépenses à 3 088 000 et des recettes à 5 600 000, dégageant 2 500 000 de solde d'exécution, un report de N-1 de 2 100 000, ce qui fait qu'on a un résultat de clôture de 4 700 000 euros environ, quoi.
En investissement, ce coup-ci, dépenses 3 300 000, recettes 3 800 000, 430 000 de résultats sur l'exercice, un report de l'exercice N-1 à 1 600 000, donc 2 millions de résultats. Par contre, on avait un reste à dépenser de 1 700 000, ce qui fait donc qu'on a un besoin en financement positif, on va dire on n'a pas besoin de financement, de 332 000. Si on passe en régie, nous avons des dépenses à 1 300 000, des recettes en exploitation à 1 800 000, un résultat donc de 480 000 positifs. En investissement, dépenses 1 800 000, recettes 1 200 000, donc 524 000 en négatif, corrigé de report de l'exercice N-1, 500 000. Et donc, on a une correction sur les restes à dépenser de 1 million. Donc, on a un besoin de financement négatif, donc de moins 500, donc on n'a pas de besoin de financement, 596 000. On s'aperçoit donc que si on regroupe maintenant les deux fusionnés, comme ça va être fait à partir du... C'est fait maintenant à partir du 1er janvier 2023, on a un résultat de clôture, donc, en exploitation de 5 162 000 et en investissement un résultat donc de 1 500 000, ce qui fait qu'on a un besoin de financement négatif de 929 000. Voilà. Donc on s'aperçoit que en regroupant, on améliore quand même puisque le plus difficile c'était la régie. Sur les investissements donc, de 2023, pareil, il va falloir légèrement corriger puisqu'on a des dépenses en investissement de 16 millions environ et des recettes de 13 300 000. Donc, il va falloir faire riper quelques affaires sur les années suivantes. On passe à l'assainissement. Donc, assainissement 2022, deux budgets. D'abord, en délégation de services publics. En fonctionnement, dépenses 1 800 000, en recettes 3 millions, solde donc de l'exercice 1 200 000 positif, un report de 1 million positif des années précédentes, résultat de clôture 2 300 000. En investissement, donc dépenses 1 600 000, recettes 2 400 000, 800 000 de résultats positifs, un report qui était déjà de 900 000 les années précédentes, donc un résultat positif de 1 700 000, donc un reste, un besoin de financement positif, donc enfin, on n'a pas besoin de financement, de 1 870 000. Si je prends la régie maintenant sur les mêmes postes, en fonctionnement, 800 000 de dépenses, 1 860 000 pardon, de dépenses, 1 560 000 de recettes, résultat 190 000, un report de l'exercice antérieur de 320 000 positifs, résultat corrigé, donc 500 000 positifs. En investissement, 3 100 000 de dépenses, 600 000 de recettes, donc une perte là de 2 500 000. Tempête Alex est passée par là, on va dire. Report de l'exercice N-1, 2 700 000. Résultat de clôture, 195 000 positifs. Donc, on n'a pas besoin non plus de financement. OK ? Si je regroupe les deux entités, les deux budgets annexes, donc on a un résultat de clôture en exploitation de 2 850 000 positif et un besoin en investissement donc négatif, donc pas de besoin de financement, de 2 200 000. Voilà. Sur ces budgets, si on regarde l'épargne, l'épargne brute sur ces budgets, elle est en 2022, elle est de 2 600 000 environ. Voilà. Capacité des endettements, donc toujours avec une alerte à 12 ans, on est à 2 ans 04 exactement. Voilà. En perspective 2023, sur l'assainissement, on a des dépenses qui sont positionné pour le moment à 2 900 000 en fonctionnement hein, et des recettes à 5 200 000. Et en investissement, 11 100 000
de prévu pour le moment, et des recettes à 9 700 000, donc aussi là une petite correction à faire, qui sera à faire dans les semaines qui viennent. Voilà. Je voulais dire deux choses sur ces budgets. On voit donc ces résultats prévisionnels qui sont, on va dire, encourageants. Ils s'améliorent au fil du temps, en tous les cas. Donc je pense qu'il faudra faire deux emprunts. Un premier emprunt au niveau du GEMAPI, une dizaine de millions d'euros, sur lequel on utilisera en fonction des besoins avec le SMIAJ, et un emprunt sur l'assainissement, puisque si tout va bien, on va commencer la pose des compteurs d'eau sur les communes qui ne sont pas équipées. C'est une estimation aujourd'hui des travaux, mais autour de 12 millions. Je pense donc là aussi, il faudra faire un emprunt d'une dizaine de millions sur ces deux postes. Mais les résultats 2022 nous permettent maintenant de le faire, ce qui n'était pas toujours le cas quelque temps avant. Voilà, Président. Merci. Avant d'ouvrir le débat, je voudrais juste, merci Daniel, faire quelques remarques. Vous avez vu qu'au niveau des résultats de fonctionnement, ils s'améliorent nettement. Et j'aurais dit, ils auraient pu encore être meilleurs, parce qu'on a eu des impacts, comme toutes les EPCI, comme toutes les communes d'ailleurs, concernant à la fois toutes les revalorisations forfaitaires concernant les bases. Ensuite de ça, on a une suppression, c'est important quand même, de tout ce qui concerne la valorisation de la TVA, même si ça sent de temps sur les entreprises, ces cotisations donc, qui étaient non négligeables, surtout quand l'économie commence à bien se reporter dans certains endroits. Bon, malheureusement, ça en perd aussi. Et puis, concernant l'électricité et les fluides qui étaient mis en place et qui font, on le verra dans d'autres délibérations un peu plus loin, qu'il y a des efforts qui vont être faits par la CARF, justement pour, en plus, éviter aux gens d'avoir à payer des sommes assez fortes concernant, entre autres, les tarifs de l'eau, puisque, je vous le rappelle, c'est fait en Italie et que autant on arrive à maîtriser à peu près, nous, les tarifs de l'électricité en France, en Italie, on arrive à des hausses qui frisent les 800%. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Bref, ça, et puis Daniel l'a rappelé, la bonne possibilité, vu notre... coefficient d'endettement, de pouvoir sereinement... Le vrai problème aujourd'hui, c'est de faire un choix sur les investissements, ce qui sera fait à l'occasion des différents bureaux que nous allons avoir. Il y a des projets qu'il faudra décaler, des projets qu'il faudra peut-être segmenter. C'est vraiment le problème aujourd'hui, c'est de faire le choix des investissements. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des propositions? Oui, Non. Alors, on est censé avoir un débat, je vous signale. Même si le débat est léger, il faut au moins qu'il y ait une question pour qu'il y ait un débat. Donc, moi, j'ai fait des propositions. Enfin, je n'ai pas fait des propositions, j'ai fait des rappels. Donc, non. Non. Alors, je ne peux pas vous obliger à poser des questions. Si, moi, je peux. Je vois Anthony Malraux. Ah, voilà. Parfait. Quand même. Monsieur Alberti, est-ce que vous nous proposerez un débat sur les investissements à retenir par commune, ou en tout cas sur ce territoire, puisque je vous ai entendu nous dire que l'enveloppe d'investissement, elle doit être maîtrisée, il me semble. Ouais, donc proposez-nous un débat. J'ai quelques dossiers, si vous voulez déjà vous donner. Non, mais je me suis peut-être mal exprimé, alors Patrick, mais ce n'était pas pour en rajouter, c'était pour en enlever. Peut-être que je me suis mal exprimé. Pardonne-moi, non, mais je suis dans le même état d'esprit, non. Parce que lorsque l'on a examiné en bureau ces propositions, on a bien vu que les ambitions partagées par les maires de la CARF étaient bien trop importantes au regard des budgets que nous avions aujourd'hui. Il faut pouvoir retenir ce qui devient prioritaire aujourd'hui sur ce territoire. Ça va être difficile pour toi, Daniel. Tu vas avoir 14 maires autour de toi. c'est pas dramatique, parce qu'il faut trouver entre 10 et 20%. Donc, c'est pas... Bon, puis, il y a des opérations qui vont ripper naturellement, malheureusement. J'ai jamais vu des opérations... Donc, tu veux nous dire, c'est pas un combat, ça sera un débat quand même. Vous avez dans ce magnifique rapport... toutes les dépenses prévues par commune, donc j'attends vos coups de fil avec plaisir. Je voudrais vous donner quelques commentaires complémentaires. Bon, vous savez que l'année dernière, on a eu
un contrôle de la Cour régionale des comptes. Et j'allais presque dire on les en remercie, puisque grâce à ce contrôle, on a pu fusionner justement les budgets, régies et DSP, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, ils ont été moins gentils sur le dossier, puisqu'ils ont fait augmenter le prix de l'eau et ça fait mal à certaines communes. Mais bon, au demeurant, on n'avait pas tellement le choix pour pouvoir continuer à avoir des subventions de l'Agence de l'eau. Et actuellement, vous savez qu'on est encore en contrôle de la Cour régionale des comptes, et cette fois sur les exercices 2018 à 2021. Donc le but de ces contrôles, bien sûr, c'est de contrôler, c'est de vérifier que toutes les choses sont en règle, mais c'est aussi, et c'est ça, je dirais, qui est intéressant, la présidente qui fait ces contrôles a explicité plusieurs fois qu'elle était là, en plus, pour, comme pour l'eau, pour nous donner, dans certains cas, des solutions qui permettent de dégager, de nous donner un peu d'oxygène dans certains points. Par contre, elle a bien rappelé, d'où l'intervention de Daniel Alberti, elle a bien rappelé qu'on ne peut pas engager un certain nombre de dépenses si on n'en connaît pas et si on n'en a pas les financements potentiels. Et qu'on ne peut pas mettre en avant un certain nombre de, je dirais, obtenir des subventions si on n'a pas commencé non plus à mettre en œuvre le projet. Donc c'est un peu ça où il faut être très très prudent et c'est tout le travail qui sera fait dans les prochains bureaux. Alors je repose ma question, même s'il y a eu un court débat, il y a eu un débat, mais y a-t-il d'autres questions ? Alors, maintenant, pour la première fois, s'il n'y a pas de questions, on doit prendre acte, mais on doit également voter pour la première fois. Non. Là, je veux bien pas ouvrir un débat, mais et comme je veux en parler, parce que je pense qu'il est, il est utile, lors d'un débat d'orientation budgétaire, comme son nom l'indique, que l'on imagine de quelle manière on va bâtir l'avenir budgétairement, mais aussi sur le plan des services publics. J'attire l'attention de tous sur deux points. La maison de la justice et du droit. Il faut absolument que l'on trouve les moyens de pallier à cette carence qui existe et qui prive des milliers de personnes de pouvoir venir et trouver une aide qu'elles attendent. Cela dure depuis des années. Cette maison de la justice et du droit est un endroit intéressant, utile pour les gens fragiles, les gens qui ont besoin d'une aide. Il faut qu'on se dote de moyens. C'est indispensable. Il y a un autre secteur sur lequel j'attire votre attention, la position que nous avons prise sur la DIL et qui nous prive aujourd'hui pour les gens qui se retrouvent sans logement, de pouvoir avoir une aide qui leur soit apportée, en tout cas un soutien là encore, et un chemin tracé pour qu'ils puissent effectivement retrouver un confort de vie. Donc là, j'ai apprécié tout à l'heure la position qui a été prise de nous présenter effectivement ce qui vient enrichir cette collectivité. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a des postes encore, Monsieur le Président, mon cher Yves, il y a des postes encore qui manquent cruellement. Il faut absolument que l'on puisse y pallier rapidement parce qu'il y a un vrai souci. La maison de la justice et du droit, on a bien compris que l'État ne viendra pas demain nous apporter l'aide humaine que l'on attend. Avant, on avait un conseiller, je crois que c'était un greffier, on ne l'a plus. Donc il faut qu'aujourd'hui, on trouve les moyens. Alors, je sais bien que je m'éloigne de la présentation de Daniel Alberti, je m'en excuse, mais malgré tout, c'est quand même un débat d'orientation budgétaire. Je mets ça à la discussion et à la réflexion, c'est important. Pour moi, c'est important. Hein. Voilà. Tu as tout à fait raison. Alors, la maison de la justice et du droit, le vrai problème, c'est que c'est un désengagement de l'État. Et il faut qu'on compense un désengagement de l'État. On va le faire. On n'a pas le choix. Je partage ce talent, toi, d'analyse. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne pense pas que l'État remette la main au portefeuille. Il faut être clair. Hein. Ce n'est pas la peine de se raconter l'histoire. Alors, concernant les postes, j'en ai pas parlé, mais tu as tout à fait raison. Alors, il y a trois postes qui sont, je dirais... Il y en a un qui est déjà, enfin, qui est pourvu, puisque la personne a accepté. Donc, c'est une juriste spécialiste dans les marchés publics de haute qualité qui a été recrutée, qui a accepté et qui a signé à la CARF et qui sera présente dans deux mois parmi nous, qui vient de... Enfin, je ne dis pas d'où elle vient, d'ailleurs, pour l'instant. Parce que, mais elle vient de pas loin de chez nous, des Alpes-Maritimes. Voilà. Ensuite, il y a une personne qui est en recrutement pour le SCOT. On en a parlé tout à l'heure. Le SCOT, c'est extrêmement important. On pensait avoir terminé le travail il y a quelques années. Et on a été retoqué. Bref, revenons pas là-dessus. Donc, le SCOT, on a tout à l'heure
Vous avez vu Sophie Albin qui s'occupe de l'habitat. Il y a une personne qui va être recrutée pour le SCOT, qui est actuellement également de grande qualité, mais qui doit être revue par les maires, par Jean-Pierre Vassallot, par d'autres personnes, mais ça va se faire très vite. Et voilà, pour le SCOT, il est au courant, on va faire un deuxième entretien. Donc, c'est deux postes importants qui vont être pourvus. Et puis, on aura aussi à réfléchir. Alors là, est-ce que ce sera un recrutement? Est-ce qu'on parlera entre nous de mutualisation? Mais je pense qu'il faut qu'on renforce très, très sérieusement toute la partie développement, marketing au niveau de la CARP. Développement, c'est en place. Il y a aussi un recrutement, je termine sur la communication, tout ce qui est communication, marketing, image de la CARF, pour l'instant, avec une seule personne, la pauvre, qui fait tout ce qu'elle peut très bien, mais seule, elle ne peut pas vraiment y arriver. Hein, Marianne, on est d'accord? Vous êtes deux maintenant, très bien, mais ce n'est pas encore assez. Donc, on va vraiment vous renforcer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on en a parlé, beaucoup de choses à dire, et là, il faut qu'on se renforce. Et puis, j'ai perdu le fil, je pense, une dernière personne qui est en recrutement. Oui, dernière personne dans le cadre du développement économique qui est recrutée également, qui vient pas non plus très loin, qui vient des Alpes-Maritimes et qui va nous rejoindre pour prendre la direction du développement économique. Donc maintenant, vous avez quand même remarqué qu'au développement économique, on avait il y a 6 mois une grande faiblesse. On a aujourd'hui un ingénieur en montagne, on a deux personne pour les petites villes de demain. On a une personne qui développe le commerce et tout ça va permettre d'avoir un service de 6 à 7 personnes donc, qui va être très musclé dans ce domaine. Voilà, donc c'est en cours. Donc je pense que avant la fin du premier semestre, tout ça sera en place. Donc je repose, pas de questions. Donc on doit faire un vote, mon cher Daniel. Alors on prend acte, mais il faut voter. Alors, qui est contre? Tout le monde a lu les 54 pages, c'est bon. Ouais, on vote sur le fait qu'on prend acte, on ne vote pas, voilà, on est d'accord. Bon, c'est la première fois, mais c'est comme ça. Oui, alors, qui est contre? Personne, je ne vois pas. Non? Non, tout bon. Qui s'abstient? Personne. Donc, ah, pardon. Ah, pardon. Alors, il y a 1, 2, 3, vous avez des pouvoirs également ou pas? Donc, trois abstentions. 3 contre. Donc, il y a 3 abstentions. Abstention, pardon. 3 abstentions. OK. Merci. Merci. Donc, le prochain rapport, excusez-moi, c'est Albert Philippi. Oui, donc le fonds de concours pour la commune de Sainte-Agnès est une réaffectation de fonds de concours pour 2067,80 € et la création donc d'une dalle pour recevoir un point de regroupement pour des produits à recycler pour 875 €. Je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci Albert. Jean-Pierre Vassallot. Alors c'est un fonds de concours pour la commune de Tende. C'est pour l'acquisition de divers matériels de visioconférence. Par délibération en date du 10 décembre 2022, la commune de Tende a sollicité la CARF pour l'attribution d'un fonds de concours destiné au financement pour l'acquisition de divers matériels de visioconférence pour un montant de 4 231 €. Après avis favorable de la commission des finances du 23 février 2023 et du bureau communautaire du 2 mars 2023, je vous demande de bien vouloir décider de l'attribution de ce fonds de concours d'un montant de 4 231 € à verser à la commune de Tende. Des questions? On peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, Monsieur le Président. Merci Sébastien Ollarand. Merci. Alors, il s'agit d'un fonds de concours pour la commune de Breil-sur-Roya. Alors, suite à la tempête Alex, on a le hameau de Pied-de-Basse qui a été en grande partie dévasté, qui fait partie de la commune de Breil. On a commencé à racheter quasiment tous les immeubles qui s'y trouvaient pour les démolir avec les fonds Barnier. Et c'est à ce moment-là que l'État a décidé de vendre son ancien bâtiment des douanes. Et donc, pour être cohérent et éviter que ça tombe entre les mains d'un privé qu'on va devoir exproprier dans quelques années, la mairie a décidé d'acheter ce bâtiment pour 107 000 €, alors que c'est une ruine. Et donc, pour cela, on sollicite un petit fonds de concours de la CARF à hauteur de 15%, ce qui représente 16 050 € sur un montant global de 107 000 €. Et c'est sur ça que je sollicite votre vote. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Patrick Césari.
Le rapport numéro 7, effectivement, il s'agit d'une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour Unicil pour l'acquisition en VFA de 39 logements collectifs Roger Lopal sur RCM. Donc on est sollicité donc pour l'acquisition en VFA de 39 logements collectifs sur la commune de Roquebrune par Unicil. La garantie d'emprunt porte sur le contrat de prêt numéro 141638, c'est auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour un montant d'un peu plus de 2 600 000 euros. Comme le prévoit le règlement, bien évidemment, 10% du programme lui seront réservés à la CARF à titre de garantie d'emprunt, donc ça représente 4 logements et 4 places de stationnement. Voilà, il suffit donc d'accorder cette garantie d'emprunt, Monsieur le Président. Qui est pour? Alors, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. T'es piégeux, quand même. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Affaire numéro 8, Jean-Pierre Vassallo, pour voir si on dormait. Non, c'est moi qui me suis trompé. Jean-Pierre Vassallo. Alors, cette délibération concerne le renouvellement de la convention de mise à disposition partielle de 2 agents municipaux entre la ville de Beausoleil et la communauté d'agglomération de la Riviera française pour l'instruction des dossiers d'urbanisme. Depuis 2015, la communauté d'agglomération de la Riviera française assure pour certaines de ses communes membres l'instruction des dossiers relatifs au droit des sols au moyen de mise à disposition de personnel à titre onéreux avec la ville de Beausoleil conformément à la délibération en date du 23 mars 2015 de la CARF. Il convient aujourd'hui de renouveler cette convention de mise à disposition de personnel, précisant la nature des activités exercées, leurs conditions d'emploi, les modalités de contrôle et de l'évaluation de leur activité à compter du 1er janvier 2023. Vu l'avis du bureau communautaire du 2 mars 2023, je vous demande de bien vouloir approuver le principe de renouvellement de cette convention de mise à disposition pour 2 agents à titre onéreux à compter du 1er janvier 2023. Autorisez, Monsieur le Président, à signer la dite convention et tous les actes adhérents à cette mise en œuvre. Et préciser qu'il sera facturé à la CARF tous les semestres le coût total de ces mises à disposition, salaire brut et charges patronales selon la quantité de temps de travail mis à disposition. Contre ? Abstention ? À l'unanimité, Monsieur le Président. Merci. Albert Philippi, numéro 9. Oui, numéro 9, mise à disposition supplémentaire de personnel entre la communauté d'agglomération de la Riviera française et l'Office du tourisme communautaire Menton Riviera Merveille pour la compétence promotion du tourisme. Donc, c'est un besoin personnel pour le développement et l'organisation d'activités, d'animations pour tous les publics. Et l'OTC sollicite la communauté d'agglomération de la Riviera française pour cette mise à disposition de personnel. Il faut savoir que c'était un personnel qui était à l'OTC et qui est passé sur la communauté d'agglomération de la Riviera française. Donc je vous demande d'autoriser, Monsieur le Président, à signer cette convention de mise à disposition, les éventuels avenants, et renouvellement, ainsi que tous les actes afférents à cette mise en œuvre, et de préciser qu'il sera facturé à la communauté d'agglomération de la Riviera française afin de remboursement le coût semestriel par agent, et que les recettes seront imputées au budget principal au titre de l'exercice correspondant et suivant convenu entre les deux parties. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, affaire numéro 10, Philippe Houdot. Donc, c'est une mise à disposition d'un agent de la CARF auprès de la ville de Menton pour la compétence urbanisme. Donc, comme l'a dit mon collègue, depuis 2015, la communauté d'agglomération de la Riviera française assure certaines de ses communes membres l'instruction des dossiers relatifs aux droits des sols au moyen de mise à disposition de personnel à titre onéreux avec la ville de Menton. Il a été décidé de mettre à disposition un agent CARF auprès de la ville de Menton. Alors, vu l'avis favorable du bureau communautaire du 2 mars 2023, je vous demande d'autoriser, Monsieur le Président, à signer la dite convention, les éventuels avenants et renouvellements, ainsi que tous les actes afférents à sa mise en œuvre. Et quelque chose qui est quand même relativement important, il sera facturé à la ville de Menton
tous les semestres le coût total de cette mise à disposition, salaire brut, charge patronale, selon quantité de temps de travail mis à disposition. Y a-t-il des questions ? On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. On remercie. Affaire numéro 11, Jean-Pierre Vassallo. Alors, cette délibération concerne la modification du tableau des effectifs au 1er mars 2023. Il appartient au Conseil communautaire de fixer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. Il convient donc de modifier le tableau des effectifs en tenant compte de l'organisation des services, des avancements de grade, des promotions internes, ainsi que des activités et départs. Vu l'avis du bureau communautaire du 2 mars 2023, je vous demande de bien vouloir autoriser la modification du tableau des effectifs conformément au document 6 juin, à compter du 1er mars 2023. Autoriser l'autorité territoriale à signer tout acte y afférent, et dire que les crédits correspondants seront prélevés au chapitre 012 du budget charges de personnel et frais assimilés. Des questions ? Cédric Montero. Monsieur le Président, bonsoir. Monsieur Vassallo. J'ai une petite question. En fait, il y a le poste du DGS qui est à pourvoir au 11. Pardon ? Le poste du DGS est à pourvoir dans le tableau des effectifs. Le poste de DGS ? Oui. DGS, poste à pourvoir, emploi budgété non pourvu au 1er mars 2023. Non, temps complet 1. Un poste d'attaché de rédacteur. Il est mutualisé, le DGS. C'est juste pour ça ? Pardon ? Non, non, c'est une question. Non, le DGS, il est mutualisé. Ok. Donc, il n'y a pas de poste à pourvoir. Il n'y a pas de poste à pourvoir. Ok. Merci. Non, oui. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Donc, on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, Monsieur le Président. Merci. Merci. Affaire numéro 12, Gérard Spinelli. Monsieur le Président, mes chers collègues, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, soumet les collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation d'un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable. Le rapport est disponible auprès de la communauté de la Riviera française. Il est également possible de consulter sur le site internet de la CAF. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous demande de prendre acte que ce rapport vous a bien été communiqué. Je continue, Monsieur le Président. Vas-y, tu en as cinq, tu peux y aller. La communauté de la Riviera française adhère à l'éco-organisme Citeo, dédié au papier emballage ménager recyclable par le biais de la signature d'un contrat dit pour l'action et la performance appelé CAP 2022 pour la période 2018-2022. Il vous est demandé de bien vouloir autoriser, Monsieur le Président, à signer l'avenant de prolongation pour la filière papier graphique et l'avenant de prolongation et modification avec Citeo. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de question, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, Monsieur le Président. Merci. Je continue avec la délibération suivante. La CARF adhère à l'éco-organisme Citeo, dédié au papier emballage ménager recyclable, par le biais de la signature d'un contrat dit pour l'action et la performance appelé CAP 2022 pour la période 2018-2022. Il vous est demandé de bien vouloir autoriser, Monsieur le Président, à signer l'avenant de prolongation pour la reprise d'emballage en verre avec OI France SAS, dans la mesure où OI France SAS est le nouveau repreneur des emballages en verre dans le cadre de l'option reprise filière du CAP 22. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, Monsieur le Président. Je continue. La loi AGEC du 10 février 2020 impose le tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023. Depuis 2010, la CARF propose la vente de composteurs individuels à tarif aidé. Depuis 2022, elle accorde des aides financières à l'achat de lombricomposteurs et des aides financières à l'achat de composteurs collectifs pour les copropriétés jusqu'à 20 logements. Pour atteindre les objectifs de la loi AGEC, des sites de compostage partagés installés sur le domaine public seront nécessaires. Ces sites seront proposés par la CARF, mais peuvent l'être par des associations.
des mairies sont déjà sollicitées par des associations pour bénéficier d'une autorisation d'occupation de domaine public afin d'y installer des sites de compostage partagés. Ces dispositifs participent tout à fait pour atteindre les objectifs de la loi AGEC, mais il est nécessaire d'établir un cadre contractuel. Pour cela, deux conventions sont proposées, une convention bipartite mairie-CARF pour les cas des sites de compostage partagés proposés et gérés par la CARF, et une convention tripartite mairie-CARF association pour les cas de sites de compostage partagés, proposés et gérés par les associations. Je vous demande de bien vouloir autoriser, Monsieur le Président, à signer les conventions. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, Monsieur le Président. Et la dernière délibération pour l'environnement, à la suite de la loi du 10 février 2020, dite loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, une nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs, REP, c'est le principe du pollueur-payeur, pour les outillages du peintre, a été créée. Je vous demande de bien vouloir autoriser, Monsieur le Président, à signer l'adhésion de la CARF auprès de l'éco-organisme ECO-DDS pour la filière outillage du peintre. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, Monsieur le Président. Merci Gérard. Donc, la délibération suivante concerne la signature d'une convention avec la région. Donc, la région a initié, dans le cadre du parcours Sud Smart Territoire, la possibilité d'attribuer un certain nombre de subventions. Quatre communes donc, de la CARF, Menton, Rugbrune, La Turbie et Bonsoleil, ont souhaité se porter candidates sous maîtrise d'ouvrage donc, assurée par la CARF pour un arrosage intelligent. Je pense que c'est totalement d'actualité donc, en ce moment. Le montant du projet est estimé à environ 160 000 euros et permet donc de maîtriser la consommation d'eau dans les espaces verts de nos, des communes qui viennent d'être citées. Je crois que économiser de l'eau en ce moment est un sujet capital. Donc, ce système permet d'analyser les taux d'humidité du sol et ensuite les conditions climatiques et de répartir et doser l'arrosage. Cet appel donc, a été reçu favorablement par la région et qui en a validé l'attribution. Donc, on serait subventionné à hauteur de 50%, soit 80 000 euros. Donc, pour mener à bien ce projet, il faut qu'on signe une convention. Donc, je sollicite le Conseil communautaire de m'autoriser à signer cette convention pour pouvoir récupérer les 80 000 euros de subvention. Y a-t-il des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci pour pouvoir signer cette convention. Ensuite, le rapport suivant, c'est une autre convention, cette fois de maîtrise d'ouvrage unique, qui est relative à la maîtrise d'œuvre concernant la relification qualification de la promenade de la mer à Menton. Pour les Mentonnais, c'est donc entre Menton Plus jusqu'à Rondelly, c'est tout l'espace qui se situe au niveau des DSE des plages qui vont être remis en, en compétition. Donc la CARF, dans ses compétences, doit traiter tous les problèmes des réseaux humides qui se trouvent à cet endroit, c'est-à-dire eau potable, eau usée, eau pluviale. Il apparaissait plus logique, au lieu d'avoir deux maîtrises, qu'il n'y en ait qu'une. Et la CARF se propose de pouvoir laisser une convention unique à la ville étant désignée comme maître d'ouvrage pour traiter l'ensemble des travaux. Veolia est également intégrée à cette convention pour le financement des terrassements qui seront effectués pour l'eau potable. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération pour signer la convention ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci de votre unanimité. Donc, Patrick Césari, affaire 19. Une convention aussi qui est soumise lors de cette séance. Trois acteurs, la CARF, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, le département pour réaliser des travaux d'envergure sur l'avenue Jean Jaurès et Louis Laurence. Cela consiste au renouvellement et à la création de réseaux secs et humides, ainsi que les aménagements de surface, ça va de soi. Dans le cadre de cette convention, il est proposé de confier à la CARF la maîtrise d'ouvrage des travaux de renouvellement, multi-réseaux, mais aussi d'aménagement de voirie. L'ensemble des opérations, de ces travaux liés à cette opération, sur tout son linéaire, est évalué à 4 500 000 euros. La convention fixe les missions de maîtrise d'ouvrage unique, les modalités financières, la durée de la convention et les modalités de résiliation. Alors, pour certains qui ont un peu de mémoire, on avait déjà pris cette délibération. C'était le 11 octobre 2022.
il faut la remplacer parce qu'à cette époque, le SICCAM était encore à nos côtés. Il ne l'est plus et on prend en lieu et place du SICCAM les opérations qui lui étaient confiées à l'époque. Donc, avis favorable du bureau, c'était le 2 mars 23, donc il est demandé le renouvellement de cette convention avec trois acteurs, CARF, Roquebrune-Cap-Martin et le département des Alpes-Maritimes, et bien évidemment d'autoriser le président à la signer, cette convention. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc, la délibération numéro 20, Jean-Mario Lorenzi. Je vais faire voter quand même. Ah, pardon. Non. Puis je ne vais pas m'y prendre comme tout à l'heure. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Merci, Jean-Mario. Monsieur le Président, donc l'avenant numéro 1 au contrat de délégation de service public d'eau potable de Menton Bas Service. Le projet d'avenant présenté a pour objet la prise en compte contractuelle des coûts de production et d'achat d'eau impactés par la hausse notamment de l'énergie, la révision des charges d'exploitation afin d'amortir ces hausses et diminuer l'impact sur les usagers du service. L'instauration également d'un bouclier tarifaire électrique au bénéfice des usagers du service par le gel de l'indice I3N de la formule d'actualisation des tarifs et l'actualisation des travaux de renouvellement et de renforcement, ainsi que la révision des tarifs du délégataire sur les ventes d'eau en gros. Donc, considérant la présentation faite en commission d'eau et assainissement du 31 janvier 2023, et vu l'avis favorable de la commission de la délégation de services publics en date du 20 février 2023, il nous est demandé de bien vouloir approuver les modifications permettant notamment de diminuer l'impact de l'augmentation du coût de l'énergie électrique en Italie sur le prix de l'eau payée par les usagers. Le projet d'avenant au contrat de service public de l'eau potable de Menton est d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents à intervenir concernant cette opération. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? Abstention ? Je vous remercie. Alors, je continue. Mot sur la délibération que vient faire Jean-Mario. Ce qui est très important, c'est que c'est pratiquement des 1 million d'euros qui sera économisé par, je dirais, par les, comment dire, par les, je cherche le mot, enfin, par les habitants de la CARF, c'est-à-dire que c'est 1 million d'euros qui ne seront pas à prélever, c'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait par rapport à tous les habitants de la CARF, compte tenu des problèmes sur l'eau potable, et on a donc 2 fois 500 000 euros qui seront économisés, qui ne seront pas repris. Donc c'est quand même important de savoir que c'est 1 million d'euros qui ne seront pas prélevés auprès des contribuables. C'est le mot que je cherchais, contribuables. Voilà. Merci. La délibération suivante, c'est la 21. Eh bien, c'est toujours moi. Oui, oui, donc il y a toute une série de... Si. Oui. Ah, t'as fait voter, oui. Non ? Oui. Ça fait. Avant que le président intervienne. Oui, si vous voulez, toute la série de délibérations qui suivent, c'est sur le même principe. Hein. Donc là, nous avons l'avenant numéro 5 au contrat de délégation de services publics d'eau potable de l'ex-siècle. C'est toujours pour les mêmes motifs, en gros. Hein. Donc, il nous est demandé également, considérant la présentation faite à la commission de l'eau et d'assainissement aussi du 31 janvier 2023, de l'avis favorable de la commission de délégation de services publics du 20 février 2023, il nous est également demandé de bien vouloir approuver les modifications permettant notamment de limiter l'impact sur le prix de l'eau payée par les usagers suite à la mise en place d'une part énergie PVE appliquée par l'exploitant de contrat de Menton Bas Service sur les ventes d'eau en gros au présent contrat de l'ex-siècle. Le projet d'avenant au contrat de délégation de service public de l'eau potable de l'ex-siècle est d'autoriser également, Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents à intervenir concernant cette opération. Des questions ? Qui est contre ? Abstention ? Je vous remercie. Toujours toi. L'affaire 22, c'est toujours pareil. C'est un avenant numéro 2 au contrat de délégation de service public d'eau potable de Beau Soleil Bas Service.
Là, et également, nous est demandé de bien vouloir approuver la prolongation du contrat en fixant son échéance au 31 décembre 2024, les modifications permettant de limiter l'impact sur le prix de l'eau payé par les usagers suite à la mise en place d'une part énergie également PVE appliquée par l'ex-siècle à la vente d'eau en gros à la commune de Beausoleil. Le projet d'avenant au contrat de délégation du service public de l'eau potable de Beausoleil, bas service, est d'autoriser aussi, Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents à intervenir concernant cette opération. Des questions ? Qui est contre ? Abstention ? Je vous remercie. L'affaire 23, c'est un avenant numéro 1 à la convention de vente d'eau potable entre la ville de Menton et l'ex-siècle à partir de la Roya. Là également, donc, il nous est demandé d'approuver le projet d'avenant à la convention de vente d'eau potable à partir de la Roya pour le périmètre de l'ex-siècle et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents à intervenir concernant cette opération. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Abstention ? Je vous remercie. L'affaire 24 est également un avenant à la convention de vente d'eau potable entre l'ex-siècle et la ville de Menton, bas service. Là également, il nous est demandé de bien vouloir approuver le projet d'avenant à la convention de vente d'eau potable à la ville de Menton, bas service, et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents à intervenir concernant cette opération. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? Abstention. Je vous remercie. La présente délibération, également un avenant numéro 2 à la convention de vente d'eau potable entre l'ex-siècle et la ville de Beausoleil, bas service. Donc là également, il nous est demandé de bien vouloir approuver le projet d'avenant à la convention de vente d'eau potable de la ville de Beausoleil, bas service, et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents à intervenir concernant cette opération. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je vous remercie. Le 26, c'est un avenant à la convention de vente d'eau potable entre l'ex-siècle et la principauté de Monaco. Là également, il nous est demandé de bien vouloir approuver le projet d'avenant à la convention de vente d'eau potable à la principauté de Monaco et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents à intervenir concernant cette opération. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je vous remercie. Merci. Qui est contre ? Abstention. Merci. Et donc, le 27, c'est le dernier. C'est toujours la même chose. Hein. Tous ces avenants ont pour but principal, c'est l'augmentation du prix de l'électricité, hein, comme disait le Président. Donc, c'est un avenant numéro 1 au contrat de convention de délégation de services publics de l'assainissement des communes de Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, La Turbie, Menton, Roquebrune-Capartin, Colette, hors traitement, bien sûr, Beausoleil et Sainte-Agnès. Là également, il nous est demandé de bien vouloir approuver les modifications liées au contrat sanitaire, à la situation internationale et au contexte inflationniste, le projet d'avenant au contrat de concession de délégation de services publics de l'assainissement des communes de Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, La Turbie, Menton, Roquebrune, Camartin, uniquement pour la Colette, et Sainte-Agnès, et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents à intervenir concernant cette opération. Voilà, donc j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Jean-Pierre Vassallo.
Oui, moi, je voudrais faire une intervention sur le problème de l'eau potable. On va connaître de problèmes énormes en ce qui concerne la distribution d'eau potable. Il y a certaines sources en montagne, nous on le vit parce qu'à cause de la sécheresse, certaines sources sont en train de disparaître. C'est-à-dire elles trouvent une autre faille dans le rocher et elles ne ressortent plus au même endroit. Là, c'est déjà un problème vraiment, vraiment énorme. En plus, les chutes de neige sont de moins en moins importantes et je vous dis que cet été, nous aurons de gros problèmes d'eau potable. On ne peut que partager ton analyse. Puisque dans 48 heures, on va repasser sous coup de théâtre, mais on sait, en alerte sécheresse, avec les mêmes contraintes qu'on a vécues pendant plusieurs mois. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. On va anticiper, je m'adresse là au service dès maintenant, en prévoyant des stocks de bouteilles d'eau, qu'on ne soit pas démunis. Donc merci de prévoir des quantités, on les regardera, mais prenons vraiment des marges de manœuvre, puisqu'il faut qu'on puisse avoir des packs d'eau minérale largement en avance stockés si on se heurte à certains problèmes comme on les a connus dans certaines communes, on l'a évoqué tout à l'heure. Et pour le reste, on est en train de réfléchir, on le fait à Menton, et il y a des gens de la CARF qui seront d'ailleurs présents dans cette réunion, Sylvain Michelet, on va regarder toutes les possibilités d'économie vraiment dans tous les domaines au niveau de l'eau, je dis bien dans tous les domaines, de manière à anticiper et pouvoir présenter tout un plan de recherche d'économie sur l'ensemble du territoire de la CARF. Donc, je partage totalement ton analyse. Et pour compléter mon intervention, avec le maire de la Brigue, on est en train d'étudier un problème parce que l'été, sur nos montagnes, on a 12 000 têtes de bétail. Jusqu'à présent, les sources suffisaient à nourrir, à alimenter en eau tout ce bétail. Cet été, on n'y arrivait pas. Il a fallu faire des convois avec des citernes d'eau. Et on envisage maintenant, avec le maire de la Brigue, d'aller capter l'eau dans les lacs de Peyrafic pour l'amener jusque sur les pâturages. Ça engendre des travaux énormes, ça. Bien. Mais je pense que c'est un problème, on l'a vu, avec les différentes délibérations qu'on va gérer, malheureusement, avoir à gérer dans les semaines qui viennent, et j'allais dire dans les mois qui viennent. Donc, ça nous concerne tous. On va prendre toutes les dispositions qu'on peut en anticipant dans tous les domaines. Donc, Olivier Chantreau, pour la délibération 28. Merci, Président. Donc, la délibération suivante concerne la DSP Transport pour la période 2019-2025 et concerne plus exactement l'avenant numéro 5. Alors, cet avenant a fait l'objet déjà d'une délibération l'année dernière, et à la suite de cette délibération qui est passée au contrôle de la légalité, le préfet l'a retoqué sur certaines choses. Il y a donc lieu aujourd'hui de résilier l'avenant numéro 5 tel qu'il a été voté précédemment et en plus approuvé par le conseil communautaire, et de lui en donner une nouvelle version dont je vais vous en faire lecture. En courrier recommandé reçu le 24 octobre 2022 au titre du contrôle de la légalité, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à la CARF de procéder à la résiliation de l'avenant numéro 5 à la DSP pour la gestion et l'exploitation de services de transport de voyageurs sur le territoire de la CARF, approuvé par le Conseil communautaire en date du 19 mai 2022, le considérant non conforme sur certains points. Cette délibération a ainsi pour objet de résilier cet avenant et d'en proposer un nouveau, c'est ce que je vous ai dit en amont, répondant aux observations de la préfecture, à savoir sur les modalités de prise en compte de la subvention de la Principauté de Monaco, la prise en compte du nouveau système billettique en fin de contrat de DSP et le remplacement de deux autocars qui faisaient suite à la tempête Alex. Ce nouvel avenant reprend donc les points du précédent avenant, tout en modifiant ceux avancés par la préfecture. Des modifications de l'offre avec incidence financière sont donc nécessaires. Un passage à Castellar est ajouté à 17h sur la ligne 6. Un doublage à vocation scolaire est ajouté à 17h à la ligne 7 entre la gare routière et l'arrêt Azur Park. Un service supplémentaire pris en charge par la région Sud est ajouté entre la gare de Breil-sur-Roya et le collège de Saint-Dalmas-de-Tende les lundis matin à 8h40. Un article est ajouté au contrat par lequel la CARF déduit de la contribution financière forfaitaire
et se déduit le début de contrat, les montants reçus par le délégataire relatifs aux services objets du contrat, exemple des lignes traversant la principauté de Monaco, voire convention en annexe 2. La CARF remboursera au délégataire le montant des travaux d'agrandissement de la salle de réunion, formation de l'agence commerciale de la gare routière. La CARF remboursera au délégataire le montant de l'achat et de l'installation de toilettes mobiles au terminus des lignes 12 et 13 à l'arrêt Malbousquet à Beausoleil. Vu les perturbations encore occasionnées par la tempête Alex, le système qualité est suspendu pour l'année 2022. Le suivi qualité reste assuré par les prestataires de la CARF. Le règlement du service Mobizest est modifié conformément à la loi LOM. L'expérimentation du nouveau système billettique Paragon mené sur la ligne 1 a été positive. Le système billettique a été déployé cet été. Ce système devient un bien de retour dont la valeur nette comptable sera de 108 062 euros à la fin du contrat. Une précision est apportée. Le véhicule électrique de la navette, qui n'était au départ qu'une expérimentation, est un exemplaire unique. Il est ajouté au parc de véhicules du contrat, mais n'est pas compris dans les tableaux d'âge maximum des véhicules ni dans l'âge moyen du parc. Les deux véhicules affectés à la ligne 25 de 44 et 33 places sont remplacés par deux autocars de 29 places, pouvant emprunter tous deux le pont Bellay de Tende et permettant ainsi de restaurer des liaisons directes entre Tende et Menton, sans changement de véhicule à Breil-sur-Roya. L'annexe correspondante à de la DSP est modifiée. Le surcoût annuel est de 2 700 euros. Vu l'avis du bureau communautaire du 2 mars 2023, vu l'avis de la commission transport du 14 février 2023 et vu l'avis de la commission délégation de services publics du 20 février 2023, je vous demande donc de bien vouloir approuver la résiliation de l'avenant numéro 5 de la DSP pour la gestion et l'exploitation du service et transport public de voyageurs sur le territoire de la CARF avec la société Keolis Menton Riviera, votée en conseil communautaire le 19 mai 2022 par délibération 124-2022, d'approuver les termes de l'avenant numéro 5 de la DSP, donc celle dont je viens de vous citer les éléments, et enfin d'autoriser, Monsieur le Président, à signer l'avenant numéro 5 à la DSP pour la gestion de l'exploitation du réseau de transport public de voyageurs de la CARF avec la société Keolis Menton Riviera. Et enfin dire que le montant de la dépense est inscrit au budget annexe des transports. J'en ai terminé. Question ? On passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Non. À l'unanimité. Merci. Vas-y, vote. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait ? C'est fini. Parfait. Donc, Patrick Césari, vous allez plus vite que moi. Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro 29, il s'agit d'attribuer une subvention conformément au règlement de la CARF dans pareil cas au bailleur 3F Sud pour l'opération New Majestic avenue de Montléon Orchidée à Roquebrune-Cap-Martin. Alors, une synthèse de ce rapport. Le projet concerne l'achat en VFA par le bailleur 3F Sud de 37 logements locatifs sociaux en pleine propriété et de 17 appartements en usufruit locatif social ainsi que leur place de stationnement. L'opération compte en tout 122 logements au total. La livraison est prévue pour le premier trimestre 25. Le bailleur nous sollicite la CARF pour subventionner cette opération pour un montant de 189 400 euros. Donc, programme 5 LLS, 2 ULS sont réservés par la CARF pour convention à venir. Avis du bureau favorable, avis de la commission Habitat favorable. Voilà, Monsieur le Président. Le rapport dans sa plus stricte synthèse. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, merci. Vous pouvez partir, Anne-Marie, on ne vous voit pas. Elle est rude quand même. Hein. Pour la peine, tu vas continuer. Ah oui, je vais continuer, oui. Alors, important ce rapport, puisque j'ai bien vu l'évolution de ce dossier depuis quelque temps.
Donc, une évolution de la convention de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat 2022-2026. Je n'ai pas retrouvé dans la synthèse de ce rapport, mais je le dis, la CARF consacre un peu plus d'1 400 000 euros dans cette opération. Donc, de quoi s'agit-il ? La CARF mène une politique volontariste visant à l'amélioration de l'habitat, mais aussi redynamiser et restaurer les centres-bourgs et historiques de ses communes membres. Dans ce cadre, une opération programmée de l'amélioration de l'habitat est en cours depuis décembre 21. Elle permettra d'effectuer des travaux dans près de 300 logements et rénover des copropriétés dégradées. La CARF pilote également le dispositif Petite Ville de Demain dans les communes sont Breil-sur-Roya, Sospel, Tombes et Tendes qui sont lauréates. Près d'un an et demi après le lancement de l'OPA et dans la perspective de la prochaine convention d'opération de revitalisation des territoires qui succédera à la convention PVD, la CARF souhaite encore accroître son action en faveur de l'habitat et de l'amélioration des centres-bourgs selon deux axes que je développe. Un, le premier renseignement de l'OPA montre un besoin important portant sur la rénovation énergétique de copropriétés en difficulté. Il est donc proposé de répondre à ces demandes par la rédaction d'un avenant à l'OPA permettant à ce type de copropriété de bénéficier de ces aides. Par ailleurs, dans l'objectif de procéder à des opérations complètes, il est proposé, en accord avec les services de l'État, de cibler une copropriété dégradée dans chacune des communes de la future ORT de la CARF. J'ai cité Breil-sur-Roya, je cite maintenant Menton, Sospel, Tendes, pour réaliser des rénovations exemplaires dans le cadre du volet habitat de ce dispositif. Afin de pouvoir répondre aux besoins exprimés, notamment lors des permanences, il est proposé de rédiger un avenant pour chacun de ces objectifs en restant dans l'enveloppe financière initiale. J'en ai parlé, je crois qu'on est à peu près à 1 400 000 euros. La CARF offre son conseil, son soutien, son pilotage gratuitement, Monsieur le Président. Je tiens à le souligner. Donc, ce sont des opérations intéressantes. Il faut être éligible, entrer dans les critères. Mais encore une fois, il y a un travail qui est fait. Et chaque fois que nous nous réunissons, on délibère et on vote sur des opérations qui nous sont proposées et qui rentrent dans ce cadre. Voilà, Monsieur le Président, le rapport numéro 30. Si vous me le permettez, je demande à mes collègues s'ils sont d'accord. Oui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Monsieur le Président, ils sont d'accord à l'unanimité. Je voudrais faire une demande à la presse qui est présente ici. Je vais faire une demande à la presse qui est présente ce soir. Soyez gentils de donner un petit coup de pouce, de parler de cette OPA, parce qu'on s'aperçoit que malgré tout ce qui est fait par les collectivités des villes, par la CARF, on a eu plusieurs réunions, et on a l'impression, pourtant c'est des aides qui sont faites, aussi bien pour les propriétaires bailleurs que les propriétaires loueurs, que pour les petites copropriétés. Et je ne sais pas pourquoi, on a l'impression que ça a un peu de mal à décoller. Donc merci la presse d'en dire un mot, ça sera très bien. Alors, oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, si tu me le permets, effectivement, en m'adressant à la presse, je pense qu'il est bon que vous soyez en parfaite, que vous ayez une parfaite information et connaissance sur les dispositifs et les critères qui existent aujourd'hui pour être éligible. Mais effectivement, je pense que c'est un sujet intéressant sur le plan de l'économie d'énergie et de la rénovation de bâtiments. Monsieur le Président a raison d'insister, c'est important. Et on a aujourd'hui des acteurs qui sont présents et qui sont prêts à agir. Et je pense que c'est intéressant. Voilà, merci. Merci d'avance. Brigitte Bresque, la 31. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette délibération du Conseil communautaire, l'affaire 31, est une délibération pour signer une convention multipartenariale pour la réalisation d'une expérimentation bassin de vie transfrontalier par la mission opérationnelle transfrontalière. Donc, Déjà en 2002, la CARF adhérait à la mission opérationnelle transfrontalière, MOT. La MOT souhaite lancer une expérimentation sur la notion de bassin de vie transfrontalier. L'objectif est de démontrer au pouvoir public l'existence de bassins de vie transfrontaliers et inciter les politiques publiques à s'adapter aux situations singulières de ces territoires interdépendants
qui font fi des limites administratives. Pour ce faire, la MOT entend s'appuyer sur l'étude des 5 espaces frontaliers déjà existants, Eurométropole, Lille, Corse, Tournai, Nord-Lorraine, Luxembourg, Eurodistrict, Pamina, Genevois, Bassin, France, Italie, Monaco. La MOT proposera une analyse spécifique des besoins de chaque site en termes de gouvernance et émettra des recommandations opérationnelles. Le coût de la participation à cette étude est estimé à 14 000 euros pour le bassin France, Italie, Monaco, dont 4 000 euros à la charge de la CARF. Donc, vu l'intérêt certain que présente cette démarche pour la CARF, je vous demande de bien vouloir approuver la participation de la CARF à l'expérimentation bassin de vie transfrontalier menée par la MOT. Autoriser le président à signer la convention interpartenariale pour le financement de l'expérimentation et inscrire le montant de la participation à 4 000 euros sur les crédits du budget principal au titre de l'exercice 2022. Merci. Y a-t-il des questions ? Non. Quel est notre représentant à la MOT ? MOT. Pardon ? C'est toi, oui, Jean-Pierre. Oui, pareil. Oui, c'est important. Il y a une réunion par an qui se tient, mais la MOT est importante parce qu'elle aide, elle accompagne justement. Et nous, on est vraiment un bassin transfrontalier, donc ils ont l'expérience, ils peuvent vraiment nous accompagner, surtout dans l'ambition que l'on s'est donnée de développer le transfrontalier avec la création du GECT. Et la MOT est vraiment la structure adéquate pour nous accompagner, parce que c'est pas évident. Dans le transfrontalier, il faut vraiment des spécialistes qui sont pointus. D'ailleurs, on a recruté un parfait agent ici, là, à la CARF, pour ces missions-là. Mais ce sont des missions importantes parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre au sein de l'Europe dans le cadre du transfrontalier. Et nous, on peut être vraiment un exemple, parce qu'on a un bassin de vie extraordinaire, en plus avec Monaco. Oui, c'est clair que compte tenu de ce qu'on met en place et le travail qu'on va faire pour la création du GECT, ça tombe, si je peux dire, à pic. Il faut vraiment, vraiment en profiter. Tu as fait voter, non ? Non, pas encore. Ah. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient à l'unanimité, Monsieur le Président ? Jean-Pierre. Alors, cette délibération concerne la signature de 2 accords pour la résilience et l'adaptation au changement climatique des territoires français et italiens dans le cadre de 2 projets de coopération transfrontalière Interreg-Alcotra. Par délibération du 12 novembre 2018 et du 17 septembre 2018, le Conseil communautaire a approuvé la participation de la CARF au projet Interreg-Alcotra-Alpimed-Climat, piloté par la métropole Nice-Côte d'Azur et Pays résilient, piloté par la province d'Imperia. Afin de démontrer la durabilité des opérations et le souhait des partenaires de continuer à collaborer au-delà de la date de clôture des projets subventionnés, les chefs de file des projets proposent aux partenaires de signer 2 accords transfrontaliers. D'abord, une charte transfrontalière pour un territoire soutenable face au changement climatique dans le cadre du projet Alpimed Climat, et un accord pour la création d'une table transfrontalière permanente sur la gestion des risques et renforcement de la résilience des territoires dans le cadre du projet Pays résilient. Ces 2 accords ne prévoient pas d'engagement financier. Il s'agit principalement d'initier 2 instances de dialogue transfrontalier sur la thématique du changement climatique d'une part et des risques naturels d'autre part. Vu la charte transfrontalière pour un territoire soutenable face au changement climatique proposée dans le cadre du projet Alpimed Climat et l'accord pour la création d'une table transfrontalière permanente sur la gestion des risques et des forcements de la résilience des territoires proposés dans le cadre du projet Pays résilient. Vu l'intérêt des textes subventionnés pour la CARF en termes de coopération transfrontalière avec les territoires voisins, vu l'avis de la Commission de coopération transfrontalière et l'espace valéen du 30 janvier 2023, vu l'avis du Bureau communautaire du lundi 2 mars 2023, on vous demande d'autoriser le président à signer la charte transfrontalière pour un territoire soutenable face au changement climatique conçu dans le cadre du projet Alpimed Climat, autoriser le président à signer l'accord pour la création d'une table transfrontalière permanente sur la gestion des risques et le renforcement de la résilience des territoires conçus dans le cadre du projet Pays résilient,
approuver la participation de la CARF aux travaux initiés par les partenaires dans le cadre des deux textes subventionnés. Oui, parce qu'il est important de créer ces tables rondes, pas qu'on se rencontre qu'une fois à l'occasion d'une ou deux réunions annuelles où on parle de tout en même temps et on ne fait rien de concret, alors qu'il y a une table ronde de permanence, on peut suivre les projets. Avec des thématiques. Y a-t-il d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, M. Sébastien. Oui. Une question, oui. La CARF fait partie d'un projet interrégal COTRA qui s'appelle Concerto Opéra, c'est toujours des noms très poétiques pour les projets transfrontaliers. C'est un projet qui est extrêmement intéressant pour la CARF puisqu'il peut permettre de financer à 80% trois opérations que la CARF a confiées au SMIAJ, des travaux de réduction du risque inondation sur la Royale à Bévéra, l'installation de quatre stations de suivi et la réalisation d'un forage et d'un essai de pompage à la Turbie. C'est une enveloppe globale de 763 285 euros qui finalement ne coûterait à la CARF que 152 657, soit seulement 20%. Donc il vous est demandé d'approuver la participation de la CARF à ces opérations portées par le SMIAJ dans le cadre de ce programme Alcotra. De dire que les modifications induites par la délibération seront prises en compte et intégrées au contrat et aux conventions, et d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient. Unanimité. Merci. Albert Philippi, 34. Oui, 34. Donc, réalisation d'une convention de prestation entre la communauté d'agglomération de la Riviera française et le Centre d'études et réalisations pastorales Alpes-Méditerranée, le CERPAM. Donc, je vous propose une participation forfaitaire de 4 500 euros TTC, qui est versée par la CARF au CERPAM, une convention qui est établie sur une durée de 5 ans, donc à date de signature de la convention. Elle fait suite à une candidature donc, de la CARF qui a répondu à cet appel lancé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concernant la mise en place d'un projet agro-environnemental et climatique, le PAEC, sur son territoire. La CARF est un opérateur de Natura 2000. Elle est aussi animatrice du projet. Elle souhaite le confier donc au CERPAM, qui est un centre d'études et de réalisation pastorale, pour cette mise en œuvre du PAEC. Donc, PAEC, c'est un projet, pour précision, un projet territorial qui présente une triple dimension agricole, économique, environnementale et qui est porté par la collectivité locale et la CARF étant maître d'ouvrage de ce dispositif. La convention de prestation porte sur les missions suivantes, établir une concertation sur le projet territorial, mettre en œuvre ces mesures agro-environnementales et climatiques, le MAEC. MAEC, donc les nouvelles mesures sont, c'est les nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques qui permettent d'accompagner les exploitations. Elles débouchent sur un PAC qui permet aux agriculteurs de bénéficier d'une aide financière agricole dans le cadre de contrats de 5 ans qui peuvent aller de 50 à 900 euros par hectare. Il est sollicité donc la réalisation d'un diagnostic agroécologique et des plans de gestion pastorale nécessaires à la contractualisation des MAEC, de participer à la coordination générale de la mise en œuvre de ces MAEC sur le territoire. Je vous demande donc d'approuver cette convention avec le CERPAM et d'autoriser Monsieur le Président à signer cette convention et de dire que les dépenses occasionnées seront bien évidemment inscrites au budget 2023 au titre de l'animation des sites Natura 2000. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Merci. Alors, les deux dernières délibérations, c'est Daniel Alberti qui va les faire. Je prends la relève, Président. Jean-Jacques. Ah. Bien. Donc, nous sommes sur un avenant à la convention aux petites villes de demain. Donc, le recrutement de deux chefs de projet en charge du dispositif étant intervenu 10 mois après la signature de la convention, on était un peu court en délai. Et donc, cette convention, cet avenant, c'est simplement une prolongation de 10 mois pour cette convention, qu'elle ne soit pas caduque et qu'on ne reste pas au milieu du gué sur cette,
sur cette opération de petite ville de demain. Voilà, donc je vous demande donc d'approuver cet avenant. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Merci. Je continue. Je fais un doublé. Donc là, c'est une convention donc, entre la CARF et la région. Bon, en matière d'économique, donc, avec la loi NOTRe, le rôle des régions en matière de développement économique a été développé. Et donc, cette convention permet de travailler avec la région sur ce qu'on appelle le schéma régional de développement économique et d'innovation et d'internationalisation. Je ne vous le dis pas avec les lettres parce que c'est trop compliqué. Et donc, cette mise en œuvre repose notamment sur l'intervention complémentaire de la région, des métropoles, des établissements publics, de coopération intercommunale. Ça nous permettra de travailler avec la région sur ces problèmes d'aide économique. Qui est contre ? Pas des questions d'abord, pardon. Non. Personne. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Merci. Alors, la délibération numéro 37 qui avait été rajoutée et retirée parce qu'il manque quelques éléments, donc elle sera présentée au prochain conseil communautaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les décisions communautaires ? Non ? Bon, bah, écoutez, je lève la séance en vous remerciant de cette séance de travail. Donc, vous êtes d'accord pour qu'on maintienne à 17h30 ? On reste à l'horaire de 17h30 au prochain conseil communautaire. D'accord ? Merci, bonne soirée. Pourquoi pas ?